Le Maroc et la Chine ont signé à Rabat un partenariat de co-marketing dans le domaine du tourisme, visant à accroître la visibilité de la destination du Maroc en Chine, notamment via des campagnes publicitaires digitales. Aujourd'hui, l'Office national marocain du tourisme, dans le cadre de sa stratégie de développement et de conquête des marchés internationaux, et spécialement le marché chinois, est en train de franchir une nouvelle étape en signant un partenariat avec un géant en Asie, avec le leader chinois du tourisme en ligne, qui est Ctrip. Nous signons un contrat de 3 ans de partenariat sur les aspects marketing et commercial qui vont nous permettre de d'abord améliorer la visibilité de la marque Maroc en Chine, ce qui est très important pour la promotion du tourisme, et aussi qui va nous permettre de drainer davantage de touristes chinois vers le Maroc. Paraphé par le directeur général de l'Office national marocain du tourisme, Adil Fakir, et le président de l'agence de tourisme chinoise en ligne, Ctrip, Liang Jianzhang, ce partenariat qui s'étale sur 3 ans permettra aux deux entités d'unir leurs moyens et leurs compétences pour développer le tourisme chinois au Maroc. L'objectif de cette convention de partenariat est la promotion touristique du Maroc en Chine, et ce afin d'encourager les citoyens chinois à venir en grand nombre au Maroc. Il a été également question lors de cette rencontre de se mettre d'accord avec l'Office national marocain du tourisme sur plusieurs points, notamment en lien avec les moyens à mettre en place pour réaliser les objectifs attendus. Le nombre de voyageurs en provenance de la Chine a connu une croissance importante ces dernières années, passant de 10 000 en 2015 à quelque 132 000 en 2018. Cette montée en puissance du marché chinois est en grande partie due à la levée du visa décidée suite à la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en mai 2016, laquelle a été suivie par une stratégie spécifique de l'ONMT qui s'est traduite par de multiples actions de promotion auprès des professionnels et du public.